La science-fiction, c'est aussi pour les enfants. Moi, c'est Betsabé, j'ai 10 ans et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Sardine de l'espace. Dans ce tome, Sardine va combattre contre Artificiel. Artificiel est l'invention de Dr. Croc. Mais cette fois, le Dr. Croc va demander de l'aide à Sardine. J'ai beaucoup aimé cette BD parce qu'elle est totalement loufoque et faux-folle. Elle est super drôle et on s'attache très facilement au personnage. Mon moment préféré dans Sardine de l'espace, je crois que c'est le moment où Petit Lulu décide de reprendre le robot de Artificiel que Sardine avait cassé et d'essayer un petit peu de le dompter. Petit Lulu, jette Expresso au vide ordure. Il est capoute. Cappuccino même. Dac. Je n'ai pas envie de le jeter. C'est un beau joujou. Je vais plutôt le cacher sous mon lit. Je le retaperai et ça deviendra mon drone à moi tout seul. Sardine de l'espace, c'est un monde totalement fou. Alors vraiment, c'est super pour s'évader et c'est super pour rigoler.